Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. A clap. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu très nul. Tu te rappelles des jeux... Qu'est-ce que j'ai fait tomber tout. Tu te rappelles des jeux auxquels tu jouais au CDI entre midi et deux au collège? Tu t'en rappelles de ces jeux tout pourris à base de dessins sur miniclip.com? Et bah ce jeu fait partie de ce genre de jeu très drôle. Auquel je jouais quand j'étais en 1802, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai fait tomber tout. Et maintenant, je vais jouer à Infiltrating the Airship, qui est la suite d'une série de jeux que j'ai déjà commencé à explorer sur les Pizza Guys. Les liens sont dans la description, si t'as kiffé cette vidéo, après tu peux aller voir. En gros, j'ai fait des conneries avant, d'accord, dans les autres jeux. Et pour retrouver ma liberté, on me propose un deal. Je dois aller m'infiltrer dans l'avion, en fait, pour obtenir ma liberté. Donc, regardez la petite cinématique de début, il n'y a que ça que j'ai vu. J'ai l'air de dormir. Well, well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. Ok, ils me disent que j'ai des super compétences et que je serais parfait pour le boulot. Ils veulent m'utiliser parce que j'ai des putains de compétences d'infiltration pour démanteler un gang, en gros. Et en échange, ils me rendront la liberté. En gros, c'est le... En gros, je suis un peu en partenariat, en OP sponsorisé avec le FBI. En gros, très très gros. Là, je suis dans un hélico et l'hélico va me déposer sur l'avion. Et les premiers choix, parce que c'est un jeu à choix multiples, c'est pas un QCM, c'est un JCM. Le jeu à choix, oh vas-y arrête, j'invente des trucs. J'ai donc plusieurs méthodes, plusieurs choix pour aller dans cet avion. Il y en a un qui me fait déjà énormément rire, c'est Sticky Hand. Tu sais, c'est le truc de la fête foraine dégueulasse, là, que tu peux faire des espèces de gros... des grosses... T'as compris, tu vois très bien de quoi je parle, donc arrête de faire genre. Ça, c'est un grimpin. Ça, c'est genre... je sais pas du tout. Cannonball. Waouh. Genre tu te fais projeter dans une boule. Celle-là est drôle, donc j'ai envie de la garder pour la fin. Celle-là me paraît un peu trop évidente. Et celle-là, elle a pas l'air... donc Cannonball. On a abattu l'avion là, non? Oh! Je suis vivant! Comment ça, il s'en va? Oh, j'ai survécu à ça, gros. Ok, autre choix. Soit un laser. Mais cette animation est ouf. Truster ou share. Donc ça, c'est genre un propulseur, laser ou une chaise. What the fuck. Laser, ça me paraît bien. On va le défoncer. Mais c'est pas... Techniquement, ce n'est pas possible de faire ça. T'es au courant. C'est-à-dire, un laser, c'est pas un... C'est pas un... Je peux utiliser le magnifique propulseur. Ouah, la classe. Il enlève même pas sa boule, c'est la boule propulsée, quoi. Feu! Mais gros, t'as propulsé dans un avion, t'as traversé la ville, tu survécu, tu... J'ai problème de conjugaison. Tu vas dans un petit mur en placoplâtre, tout nul, de chez Castorama, et tu meurs. Alors, bah du coup, c'est forcément la chaise. Mais quel est l'intérêt de ce truc? Ah d'accord, ok, c'est une chaise, ok. On est sur une chaise de qualité. DX Racer 220 chevaux. Là, il est en train de lui dire, fais attention si tu vois une grosse boule en plastique. Oula, je sens que ça va être un truc de réflexe comme la dernière fois. Des piques. On refait. Boost. Mais gros! Mais vois avec tes ingénieurs, essaye de foutre des freins sur ta boule à la con. Je préfère avoir le bon choix à la fin, comme ça on voit tous les trucs. Et bah, tu peux l'écraser ma boule, je suis plus dedans. Bah oui. Ah oui, ah oui. Oh, ça va être encore un truc de réflexe, je sens. Fermer les portes, ok. Metal Fist. J'ai oublié de cliquer. Ok, no more quick time events. Il me dit non, ok, arrête de faire des trucs de rapidité parce que je suis pas prêt. Vas-y, cours. Y avait quoi? J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il y avait. Vite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me propose? Wrap, c'est quoi un wrap? What? Je n'ai absolument rien compris. Qu'est-ce que c'était que ce truc? C'était la DeLorean, mais en. J'ai rien capté. Ok, je vais essayer le truc de gauche là. Oh là. Metal Fist. Mais non! Je spam avec ma souris, c'était par là. Metal Fist, vas-y. Oh oui. Oui, vas-y, chargez! Mais c'est nul! Mais le mec, en plus, il prenait de l'élan, t'as vu sa petite tête? Il était en mode, je vais le faire! Il chargeait!
Le dernier truc c'était beans, c'est haricots. Je vois pas en quoi des haricots peuvent nous sortir de cette situation, mais bon. Ce... En plus, un vieux. J'arrive pas à parler. D'accord, c'est un pet qui permet à la personne d'être propulsée et de s'en sortir vivant, c'est absolument n'importe quoi. Alors, une plaque de métal, un rocket jump, ok, donc une roquette qui permet de sauter. Et des techno-trousers. Découvrez le techno-trouser, des jambes métalliques qui vous permettent de trouser. Ok. Ça c'est cool. Fin. Oh non. Oh, je l'ai eu. Trop bon. Je t'ai eu. Je sais pas. Le sabre. What the fuck. Magic. Fire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être une référence à un jeu que je connais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que je connais pas. Rocket Jump, ça marchait. Techno Trouser, ça fait quoi? Non. C'est énorme. Trop, beaucoup trop. Gros, c'est vrai, c'est... Dans tous les jeux de cette série, il a toujours le même bruit dégueu. Chaque fois qu'il tombe. Je crois que c'est dans Escaping the Prison, pareil, il tombe à un moment, il fait... Ça fait beaucoup rire, mais vous savez, il m'en fait pas beaucoup. Metal Band. Pourquoi? Repassons cet extrait pour être sûr. Metal Band, il fait comme ça, il fait... Ah genre il prend le contrôle de l'avion. C'est ça en fait, non? Attends, on va aller voir sur Google Traduction, ça veut dire quoi? Courbure de métal. Ah, d'accord. Oui. Du coup quand on sait ça c'est très drôle. Ok. Ok. Comment, tu sais c'est tellement improbable que ce soit ça qui marche quoi. Le gars il se tire une roquette dans le sol, il s'envole, il atterrit. Puis, voilà. Qu'est-ce que je te dis? Alors là mec j'ai pas capté ce qu'il fallait. J'ai pris Magic, faut pas que je prenne Magic du tout. Mais non on prend Yo-Yo du coup. Ah mais oui c'est ça, c'est des références à des putains de vieux jeux, je sais plus comment ça s'appelle, c'était un truc sur Super NES ça. Pareil les gens, les mecs calés, dites-moi c'était quoi dans les commentaires ce truc là, je sais plus du tout. Si il y a le joueur du grenier qui passe par là, on sait jamais. Goods, defend, bash, goods. I retreat a multibot. Ouais, je sais pas comment ça s'est passé mais j'ai gagné. On avance. Quoi tu te grattes la gorge? Oh là 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 là. Alors, sort du LM. Des chaussures propulsées ou du bœuf. C'est quoi ce truc? Oh, il a fait de la muscu. Non, trop, beaucoup trop de muscu. Le gars a fait beaucoup trop de musculation. Ça me paraît tellement simple que ce soit ça que j'ai pas envie de l'essayer en fait. Allez, suivant. Donc du coup, c'était le truc le plus simple qui était l'ULM. Ouah, wow, il s'enfuit, court! Allez, étrangle-le! Open. Oh oui, 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 oui! You've defeated my right hand man. You've defeated me. Tu as. I surrender the airship to you. Great work, Henry. Now just get... Il a dit, t'as niqué ma main droite, tu m'as niqué. Je me rends. Là, il veut. Là, je suis censé livrer du coup le mec du gang à l'hélicoptère. Et donc j'ai le choix entre un parachute, un tank. Je sais pas comment, déjà pourquoi il a un tank dans sa poche, qu'on m'explique, d'une. Et de deux, comment un tank peut nous sauver de cette situation. Je ne comprends pas. Un missile ou un dummy, c'est genre un mannequin, je crois. Là, il a dit, oh, on nous a tiré dessus. Du coup, putain, ils sont trop cons. Ils ont dit, nous font faire, on rampe. Et du coup j'étais dedans donc je suis mort. Dami, ça m'a l'air pourri, j'ai tellement envie d'essayer le tank les gars, je suis désolé. Allez, va dans le tank. What the fuck, mais qu'est-ce que t'espérais gros, forcément. Pardon. Mais comment, pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Official pardon, this document certifie que Henry Stickmin... En gros, je pense que c'est mon diplôme qui dit que je suis libéré. Première victoire! Parmi les 14 000 scénarios possibles, première victoire. Parachute, ça me paraît tellement simple, il va se passer une couille.
Et si c'est le même parachute que Breaking the Bank? C'est... Ah bah oui, gros, t'en as qu'un. Cette tête en mode... Merde, j'ai oublié d'en prendre deux. Donc il reste que Damis. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ils sont toujours dans l'avion du coup. I'm sure Henry had a plan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai rien capté. Henry! Ah, tellement bon! En gros, il a comploté, enfin j'ai comploté avec les mecs du gang. On a balancé des mannequins, le FBI a été chercher les mannequins. Et nous, on fait partie du gang et on s'en bat les couilles d'être un homme libre. C'est bon ça! C'est très très bon. Du coup, j'ai fait tous les choix? Ouais, j'ai fait tous les choix. Du coup, on retourne tout au début. Si je dis pas de conneries, ouais, on retourne tout au début. Donc, on est rentré dans l'avion avec cette merde. Et contre toute attente, ça a fonctionné. Essayons ceci. Ma petite préférée. Mais c'est tellement ça en vrai dans la vraie vie. Ball and chain. Ok, une boule avec une chaîne ou le zero point energy. Dans quel but t'as fait ça? Pourquoi? Ah, t'es vivant, gros! Mais non! Non. Ah, merde, en fait, non. Ah, il y avait un ourson dans le coffre. Comment j'étais tellement content, les gars! Il y avait la musique épique de la fin! Et en fait, c'était un piège, il y avait un ourson dans le coffre, donc on a. Voilà. Zero point energy. Mais gros! Mais t'as une putain d'invention dans la main et toi, tu trouves. T'es con! Du coup, il y avait que deux choix. Donc en fait, la main élastique, c'était de la merde! On refait depuis le début, donc on a fait ça et ça. Essayons. Le grapple gun! Oula, ok, ça marche. Le joy buzzer. Qu'est-ce que c'est? C'est le buzzer de joie. Ok. De la mousse. La mouille. La, tu sais, c'est de la mousse. Qui, la mouille. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un espèce de lapsus un peu cochon. J'ai très envie de faire des choses sexuelles ce soir. Donc, c'est de la mousse qui s'expand. Le verbe expandant. Wait. Ah, ok. Ok, c'est une solution d'attendre, effectivement. Bomb. C'est une bombe. Ça me paraît un peu... Je suis sûr que les deux la vraie réponse se trouve parmi ça. Je sais pas pourquoi. Je dirais que c'est wait. Je suis sûr que c'est la vraie réponse, c'est wait. Donc j'ai pas envie de cliquer dessus. Essayons le buzzer de joie. Le buzzer de joie. Ah. Apparemment, ça n'apporte pas que de la joie. Ça fait aussi des courts-circuits dans tout l'avion. Retry. Ok. Quoique ça, ça peut marcher. Allez, une bombe, on est des cochons. Non mec, t'es pas assez caché là. C'est pas derrière ton bâton que... Bah oui, t'as cassé l'avion, mais c'est évident ça, monsieur. Expanding foam. Let's... Expanding foam, allez. La pâte... Mais gros. C'est de la merde. Mais comment... T'avais combien de litres d'expanding foam là dans ton tube? Parce que... T'as vu la grosse merde que ça fait là? Ok. Bah on va attendre, et du coup je crois que j'avais raison, il fallait attendre, parce que, sauf si c'est un fail complet. Parfait! Alors je peux aller dans la clim, je peux aller dans l'ascenseur, ou dans l'ordinateur. Ordinateur. Fichier secret. Il a lancé civ-6.exe. Oh non, il est en train de geeker. Il s'est fait une grosse partie pendant 3 heures, le con! Il a vu CS, il a cliqué sur CS, il s'est fait 3000 games de CS et il s'est fait griller. Quel con! C'est quoi cette clé-là? Je peux la prendre? Oh! Alors ça, c'est le genre de truc, je suis très très mauvais, moi, pour les petits détails-là. Si je l'avais pas vu... Enfin, en même temps, une clé, bon, ça se voit, j'avoue. Mais je suis très mauvais pour ce genre de petites conneries et je peux rester bloqué dans le jeu pendant 7 ans. Prenons l'ascenseur. Mais c'est pas du tout un ascenseur, c'est un truc pour... Could we've sworn that was an elevator? C'était pas du tout un ascenseur.
C'était de la merde. On réessaye, donc c'est le... la ventilation. Oh, interesting. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, vault sales. Mais du coup, faut que j'aille à gauche. Ok. Comment ceci peut nous sauver? Vas-y, gros. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Flock of ducks flew by. Mais non! Mais il faut plus que je choisisse les trucs cons parce que c'est à chaque fois ça qui marche. Hey. Salut! You could let me out of here? Oui, on peut te libérer. Bah oui, j'ai la clé! Oh, thank you. Mais de rien, gros. Tu peux me faxer. Faxons-nous. Génial, c'est Mario Paper quoi, mais en... Ah merde. Quoi? Mais non. J'ai encore pris le bon choix, putain, je vais devoir tout refaire. Gravity Gun, attends, Gravity Gun, je veux dire... voilà, j'ai mode, tu connais. Ah merde. Oh merde, step back. Power Glove. Hack. Ok, faisons magicien, magicien. Mais il est pourri ton pouvoir. Il est pourri. Hack. Ok. Si je lance la commande... Ça fait de la merde. What the fuck. Ok, pas hack donc. Power Glove. Bah non, parce que du coup c'était le... Il est cassé. C'est tout. C'est du foutage de gueule, monsieur. Ok, donc... Paperizer. Oh oh oh, I'm a paperizer. Elle me t'inspire tout ça. C'est quoi cette posture? Gravity Gun, c'était de la merde. C'est quoi ce truc? C'est un mug avec une pince? Ah non, c'est un sac avec... Qu'est-ce que c'est? Mais gros, vérifie ton matériel. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, pratique! Oula, 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 on est dans le passement des... Ah bah non, gros. Toi là-bas, arrête-toi ici. Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's gone rogue? All right, move to plan B. Cone reinforcements and move in. OK. Il se rapproche, les hélicoptères, je sais pas pourquoi encore. Pour ça. Oh! Oh merde, putain, là c'est la merde, je suis sur l'hélice. Ah ouais! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, carapace verte, Mario Kart, tout ça tu connais. Quel était ton plan exactement ici? Mais je sais pas, mais à chaque fois j'imagine des hypothèses avec les objets, ce n'est pas ça. Ah, parapluie avec le vent, il va peut-être pouvoir s'envoler. Oui, monsieur. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, pas du tout, monsieur. C'était une mauvaise idée. Propane, réservoir de propane. A plus. Bonne journée. Fallout, plutôt. Ah! Je suis vivant. Waouh. Je le sens pas du tout en fait là, je sens que ça va faire une fausse joie. Ah oui, c'est ça. What the fuck, ça part en champ de bataille. Wilson, we've got to get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Il a dit évacue tout le monde, je vais m'occuper de ce bordel. Je dois choisir des CD. D'accord. Je sais pas ce que c'est quoi DEB. Il est marqué kill là, vas-y je prends ça. Reading dist. Disk read error. Erreur de disque. Il y a une erreur, je sens que tu vois. Il y a une colline qui s'ouvre en deux, c'est la drogue hein. Ça va être pas mal je pense. Putain, je croyais que le jeu avait bugué. J'étais persuadé. J'étais en train de cliquer en mode...
Merde. Contrôle là dessus. Fin de tâche. Erreur Stack Overflow System IO File Not Found Exception Could Not Find the C Program File HLGabon.dll Dump Cache. Prototype. Prototype m'inspire pas mal. Powering Up Dark. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'en as trop pris, gros. PEF! Oh, c'est en mode Titanic. C'est en mode... Dis à Jocelyne que je ne serai pas là pour Noël. C'était DEB, ça. Il reste ça. What? Ah, ok. Parfait. Bah oui, par contre, voilà, oui, t'avais pas ce qu'il fallait pour aller dans l'espace, c'est dommage. Du coup, prototype, ça me paraît bon. Stylé. Mais je pense que, vu que c'est des prototypes, il va y avoir une couille. Oh mon dieu, qu'allons-nous faire? Oh, ils sont en train de défoncer le gang. Il a le rubis, il est là. Ah, il y a un des prototypes qui s'arrête pour pisser. Du coup, on récupère le prototype. Sauf qu'on tombe sur l'hélicoptère des vieux du FBI. Let him go. What? Laisse-le partir. Alors, j'ai pas du tout compris pourquoi ils nous ont laissé partir, mais on a gagné! Et ça, ça fait plaisir. Donc on sait que c'est leap, c'est-à-dire voler avec les bras, qui fonctionne, mais on va quand même essayer les autres fails. On retrouve le téléporteur comme dans les jeux précédents. À chaque fois le téléporteur, hein, je vous spoil un petit peu si vous n'avez pas vu les vidéos sur Pizza Guys, mais le téléporteur c'était le caca, à chaque fois. Donc j'ai pas du tout envie de le prendre, et du coup, comme c'est ça la bonne réponse, je sais que ça va être encore le caca. Téléportation instantanée de l'autre côté de ce petit... Ah, oh là. Oula. Ouais, là tu t'es téléporté soit dans un nuage, soit dans un truc chelou, mais pas bon. Pas bon du tout. We try le crayon magique. Dessine une bite, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dessine un dessin, se fait tuer par son propre dessin. Tout va bien! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les chewing-gums. Ah, tu deviens élastique, sauf que oui, d'accord, ok. Super, bravo. Il nous reste donc le quatrième moyen d'entrer dans ce magnifique avion avec Earpiece, donc casque. Il nous dépose. C'est le moyen le plus normal. Alors, ça, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup les petits choix là. C4, je tape à la porte, j'utilise de l'acide ou un aspirateur. Acide. Mais c'est la porte qu'il faut faire fondre, pas tes jambes. C'était ignoble, n'empêche, putain. Ok. Coupe pas l'acide. Je suis sûr que c'est l'aspirateur. Quoique. Je suis sûr que c'est le moyen le plus simple qui est la vraie réponse. Donc on va faire Knock en dernier. Je suis sûr que c'est Knock. Allez, je prends les paris sur Knock. C4. Ouais, tu vas faire péter l'avion, quoi. Ah merde. T'es pris un débris. Mais oui, voilà, faut se mettre à couvert, t'es con aussi, regarde, il y a marqué « You know when they blow stuff and they say I take over, that's why ». Bon, c'est pas ça, j'ai pas compris la phrase, en fait, parce que je parle pas bien anglais. Mais, en fait, il fallait se mettre à couvert. Et avec le vent, tu fais de la merde, c'est comme avec l'acide. On fait Knock en dernier? On fait quoi? Je sais pas, j'ai envie de faire au hasard. On fait au hasard? On fait Knock. Bonjour, excusez-moi, j'aurais voulu... Ben oui, enfin oui. Pour une fois, alors pour une fois depuis le début du jeu, ça me paraît logique. Retry, aspirateur. Du coup, c'est ça qui marche. Ah, t'aspires tous les méchants, sympatoche. Non, je suis dans l'aspirateur Dyson. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? Donc là, il veut que je trouve des preuves. Le FBI veut que je trouve des preuves qui sont des criminels. Voilà. Alors, soit je me déguise, soit j'utilise de la glu, soit
un transdimensionalizer. Transdimensionalizer, tout ça. Visiter des dimensions alternatives. Facilement. Oh lol. C'était pas ça qui a marqué, on s'en fout. Waouh. Ouais, cette dimension-là, elle est pourrie, gros. C'est la dimension, il n'y a qu'une ligne, en fait. Et il y a marqué, vous avez été dans la première dimension. J'ai pas compris l'autre phrase. Disguise. Bah, déguisons-nous. Grillé. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. J'ai pas compris, mais on se fait griller. Ils ont un espèce d'accent, une voix absolument incompréhensible. Donc, il reste la... Oui, la glu, c'est ça. Mais comment ça peut marcher? Mais tu mets la glu sur les doigts, ça reste collé, ça fait pas Spider-Man, arrête tes conneries. Spider-cochon. Et même grimpé au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? J'ai que non, un cochon. Spider-cochon est là. Waouh! Ah, ce coup-ci, on doit aller à Rick. On doit aller à ici, là, pas là. Dommage. Comme de par hasard, on est du mauvais côté. Alors, on utilise une plateforme, une bulle de gravité. On utilise notre ami Charles du FBI. Très sympa, très très sympa, Charles. Moi, l'autre jour, j'étais chez Charles, petite soirée galette saucisse, tranquillou. Il nous a servi ses galettes saucisses excellentes. Excellente. C'est pas le mec qui va te chercher des saucisses marque repère chez ED. Le gars se fait chier, il va chez Carouf, il consulte un boucher, il te fait des trucs super. Et un robot helper. Donc un robot qui t'aide. Pour une fois, prenons le truc le plus sensé dès le début. Ok, il va le téléporter. C'est quoi? Ça me fait penser aux administrateurs sur les serveurs Altis ou Gmod quand ils font popper des trucs mais au mauvais endroit. Et toi, t'étais à l'intérieur de cet endroit, du coup tu meurs en fait. Ok, c'est pas ça. Notre pote du FBI, je suis sûr que c'est un boulet. Il arrive. Gros con. Regarde le boulet, mon gars, c'est le gentil. C'est le boulet. C'est le mec qui sait faire des galettes saucisses mais piloter un hélico. Non. Bulle de gravité. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais. Up, down, ou de toute façon tu vas faire de la merde. Ça c'est sûr, t'es un boulet. Non. Ah bah oui, d'accord, il contrôlait la bulle de gravité et il a appuyé sur down, c'est ça je crois. Ouais. Donc c'est un gros con. C'est confirmé. Du coup, c'est ça. C'est nul. Je suis déçu. Comment il va nous aider? Ce sera peut-être original. Ouais, je suis Fox. Fly Fox. J'ai eu un peu peur. Cette petite musique. Parfait. Ok, merci, robot helper. Vous êtes bien aimable. Alors. Bone melt. Ah, faire fondre les os. Contrôle de l'esprit. Gatling, genre voilà, bro minigun quoi. Et accès à distance. Je sais pas. Essayons contrôle de l'esprit. En fait, je contrôle l'esprit du gars. Ah merde. Pourquoi t'as fait ça? Petit trou. Contrôler une autre personne n'a pas l'air si facile que ça en a l'air, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Il a cassé la carte d'accès. C'est un peu nul. Ensuite, Gravity Gun, ok. Ah non, c'est l'hélicoptère qui va tirer. Mais non, mais Charles, c'est un boulet. Bah, il a tué tout le monde. Charles, merde! Tu fais chier! Wow, it didn't even hit the door. Il a même pas touché la, il a même pas touché la porte. Il a tué tout le monde, regardez les impacts et la porte, ben non. Quel connard ce Charles, putain. Mais ces galettes saucisses, putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ah la vache! Mind control on a fait, Gatling gun on a fait, faire fondre les os. Ah, c'est dégueulasse. Ça a marché? Ouais! On n'avait pas essayé, Gatling on a fait, ça c'était la bonne réponse.
Bon melt, il reste remote access. Il va rentrer dans le système de sécurité. T'as pas ouvert la bonne porte, gros. Et pourquoi il y avait une porte là, putain? Il y avait même pas de jointure. Regardez! Il y a pas de porte là. Pas de porte. On est bien d'accord. Oh non. Ce n'était pas le bon moment, Charles. Charles a parlé dans le micro et je me suis fait griller. Putain, quel con. Oh man, I remember this. Faut que je choisisse vite, du coup. Think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Ninja. Mais c'est nul! Pile. Araignée. Oh, hello, Mr. Spider. Salut, monsieur araignée. Ouais! Got some evidence. Oh, wait. Yes! There's no way you're getting through. Nous en restons à essayer, du coup. Lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. J'ai rien compris, je n'ai absolument rien compris. Like you can get around if you go through that air duct. Oh oh. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Ah, là c'est des choix textuels. Faire le bruit d'un animal. Éteindre l'électricité. Rerouter l'électricité. Rediriger l'électricité. Ou alors je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton aide. Charles! Excuse-moi de te le dire, on est potes, tu m'invites à toutes tes soirées galettes saucisses, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir. Mais t'es incompétent, sur le terrain, t'es incompétent. Arrête, Charles, fais pas la gueule. T'es susceptible, Charles, aussi. Donc, excuse-moi, mais pour cette fois, je n'ai pas besoin de ton aide, je vais me débrouiller tout seul. Non. Pardon, Charles. Je pourrais quand même venir à tes soirées galettes saucisses. Merde. Du coup, step back, parce qu'il nous a manqué... Oh, man, I remember this. Un des trois. Falcon kick. Mais pourquoi? Je la remets parce que. C'est genre Kamehameha. Ah ouais, ok. En fait, il était en train de dire qu'il y a trop de mecs armés en face, donc il vaut mieux passer par le conduit d'électricité, en gros. Faire le bruit d'un animal. Il a dit, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Ok. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Ok, Charles, ok. Couper le courant ou rerouter? J'ai vraiment peur de Charles, je le dis tout de suite. Non. Je le sens pas du tout. Oh yes, ça a marché, c'est bon ça. Non, non, y a pas de problème, il est en train de dire on a un problème ici. Non, non, y a pas de problème, il fait pas vraiment pas de soucis du tout. Oh, mais c'est comme dans Worms, ça, c'est une référence à Worms, ça. Tu as encore tout cassé l'avion, zut! Step back, puisqu'on a oublié, je sais plus quoi. Shut off the power. Vas-y, éteins tout. Mais pas les moteurs de l'avion! Charles, merde! Quel con! Ok, il lui demande d'ouvrir la porte principale. Open. Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? On a un problème, Houston, on a un problème. Il est en train de faire du caca. Ok, donc la banane à la bombe, ça ne marche pas, ça fait exploser l'intégralité de l'avion. Le gaz endormissant, le pistolet de force ou la flashbang. Wow, ça part sur une flashbang, non? Je n'y vois plus rien. Mais non, mais gros! C'est une soute d'avion ouverte. Tu n'y vois rien. Pourquoi tu cours? Nul. Là, je sais pas. Hop. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Non, là, vraiment... oui, c'est très nul. Très, très embêtant. You snooze, you lose. Or I guess in this case, you don't snooze, you lose.
Je n'ai pas compris. Du coup, c'est le Force Gun. Ça va, j'ai de la chance. Il a dit que c'était dans l'oreille. Il avait juste appuyé. Et pouf. What's going on? Il allait dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça pourrait être un problème. Je suis vivant? Je suis vivant? Mais on m'a tiré dessus? J'ai rebondi? J'étais dans un hélicoptère? Je suis vivant! C'est ça que tu veux dire? Waouh! Mon Dieu! 46 minutes, putain de rigueur. Ok. Je crois que j'ai tout fait. Result. Total fail 62, unique fail 54. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je crois que j'ai tout fait. Si j'ai pas tout fait, hésitez surtout pas à jouer au jeu. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez aller voir les précédents jeux, j'y ai joué sur Pizza Guys. Donc pareil, lien dans la description. Si vous avez kiffé ce jeu un peu pourri, mais pas pourri parce que visuellement c'est pourri, mais il y a quand même, c'est quand même beau gosse. On est d'accord, c'est sympatoche. C'est les petits jeux sympas auxquels je jouais, enfin, de ce type-là, au CDI, quand j'étais au collège. C'était vraiment émotionnel. Tu vois, je regardais un épisode de Happy Two Friends et je jouais à un jeu pourri sur Miniclip. Il y en avait plein, des jeux flash comme ça. Et cette série est vraiment super cool, donc n'hésitez pas à aller voir. Surtout si j'ai loupé des trucs, j'ai essayé de pas les louper, de vous faire tous les fails. Mais peut-être que j'ai quand même oublié. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. C'était AmixM. Over.